cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. C'est tout en bas de la page, tu as des pages. C'est écrit en fait sur le clic dessus après. Des fois, ouais. J'ai juste vu le tirage à la bande et après il fallait comprendre. Je l'ai dit. Moi j'avais trouvé en cherchant dans Google l'Ipsang, les lives. Bonjour, Patrick Gela, 50 ans, moniteur, professeur de savate, boxe française, depuis la pratique depuis 1982. Mon premier moniteur, c'était Sauveur, qui est connu dans le milieu de la boxe, qui nous a appris les premières bases de la savate. Et grâce à sa passion, il a pu me donner ma passion aussi et de pouvoir continuer pendant des années à des niveaux différents. Et je me suis plus engagé dans la technique et dans la programmation. C'est pour ça que je suis devenu le DTL, le cadre technique fédéral sur la Ligue PACA, qui me permet de gérer tous les monitorats, les gants d'argent et de pouvoir développer ma discipline pour la faire évoluer. Alors, dans le milieu de la savate, bien sûr, on a tous été influencés par différents boxeurs. Le boxeur de référence pour moi, ça a été Richard Silla, qui a su démontrer toutes les techniques et l'intelligence de boxe au service de la savate. Il a pu montrer à des hauts niveaux quelles sont les valeurs vraiment de la savate sur son déplacement, sa qualité, sa précision pour vraiment venir perturber ses adversaires. C'est pour moi... Qu'est-ce que c'est la savate? Savate boxe française, le terme exact. Alors la savate, ça remonte au 18e siècle, à l'époque de Vidocq, où c'était une pratique qui était faite dans les rues, c'était des bagarreurs. Ils avaient codifié certains coups, comme pouvait mettre le coude, le genou, le coup de tête. Au fil du temps, cette discipline, elle s'est un peu réduite pour des raisons sportives, pour pouvoir développer notre sport au niveau mondial et au niveau olympique. On a essayé de réduire un peu toutes ces techniques très dangereuses, et c'est grâce à ça qu'on a pu faire la boxe française, où c'est des coups codifiés, où il y a quand même moins de risques, on va dire, et ça reste sur du sport. Maintenant, l'origine de la savate, d'ailleurs dans notre fédération, il y a la savate défense, qui est l'ancêtre de la boxe française, et à ce niveau-là, c'est tous les coups sont entre guillemets permis, c'est-à-dire c'est des techniques vraiment de défense, de self-défense, qui permet à dire un petit coucou et un petit merci déjà à celui qui m'a interviewé, un petit coucou aux États-Unis, un pays que j'adore bien, moi-même j'aime bien les Harley et tout ça, et je vais souvent aux États-Unis car j'aime bien cette culture aussi, donc ça serait bien que la boxe française puisse encore plus se développer aux États-Unis. Je pense que les gens, la culture des États-Unis peuvent pouvoir accepter cette culture de la savate boxe française.